Il est midi sur Novembre. Et le soleil peut attendre que j'ouvre un peu mes yeux sur toi. Vous avez sans doute déjà entendu à la radio Midi sur Novembre, une chanson chantée en duo par Louane et Julien Doré. Cette chanson est en lice pour devenir la chanson de l'année en France. Les Victoires de la musique ont annoncé ce mercredi les nominations pour la cérémonie qui aura lieu début février. Les autres chansons nommées dans cette catégorie sont Je me dis que toi aussi de Boulevard Désert, Djadja d'Aya Nakamura, Rêve bizarre d'Aurel San et Damso, En 2016, Louane avait remporté une victoire de la musique dans la catégorie Album Révélation pour Chambre 12, son premier album. Eddy de Préto et Aurel San mènent les nominations. Eddy de Préto, figure montante de la scène française, et le rappeur Aurel San, triple lauréat l'an passé, en lice dans trois catégories, mènent les nominations des 34e Victoires de la musique qui auront lieu début février, selon la sélection dévoilée mercredi. Après le sacre d'Aurel San, récompensé en 2018 dans les catégories artistes masculins, album de musique urbaine et création audiovisuelle. Eddy de Préto peut réaliser pareil exploit à 25 ans, à peine un an et demi après avoir surgi dans le paysage musical hexagonal. Celui qui oscille entre chansons et rap et dont le premier album Cure, sorti en 2018, a dépassé les 100 000 ventes, concourt dans les catégories artistes masculins face à Étienne Dao et le duo Big Flo et Oli. Et album de musique urbaine, toujours face à Big Flo et Oli et la chanteuse de pop urbaine Aya Nakamura. De Préto, qui s'est d'abord révélé par ses performances scéniques, peut réaliser le triplé s'il s'adjuge la catégorie concert, où il sera opposé au groupe de rock Chaka Punk et Aurel San. Ce dernier peut donc ajouter 3 trophées à son palmarès, lui qui en possède déjà 5. Il est de nouveau en lice dans la catégorie création audiovisuelle. Pour le clip de Rêve bizarre, face aux jeunes chanteuses pop Jane Allwright, et Angèle tout oubliée.